Bon, les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas l'équipe, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo incroyable, vraiment incroyable, les gars. On va aller, je vous ai dit, 2024, j'enchaîne de fou, je profite à fond. 2025, c'est pareil, je vais enchaîner de fou, je vais profiter à fond et tout. On va aller à l'event de Billy. Voilà, donc j'espère que vous kifferez. Parce que ça va être une sacrée masterclass, les gars. J'ai eu pas mal de galères pour trouver quelqu'un pour m'y emmener. Je me suis fait annuler, genre vraiment le matin même, il n'y a pas longtemps. Mais j'ai retrouvé quelqu'un. J'ai retrouvé quelqu'un. Pour le retour, la personne ne m'a toujours pas accepté. Donc je ne sais pas si je vais finir dans la rue à Paris. Moi, je vous dis à tout de suite. On se retrouve là-bas. Let's go. C'est parti. Avec David
Bah, Ilan! J'espère que vous avez kiffé et ça ne sera pas le dernier.
Et voilà les mecs, là, vous allez kiffer la soirée n'est pas finie. Reste encore Gypsy, Mathieu et Billy Coupré. Mais là on va se faire une bataille de 9 minutes et la stratégie bien sûr j'en ai une. À moi de l'appliquer, bien sûr je vais prendre des suite, ça sera un peu débile. T'as complètement raison. Dans l'oreillette, il y a tout le monde qui envoie aussi un gros salut à BSD. Ouais, BSD, tout le chat. Merci beaucoup. On se connaît depuis un moment et je suis énormément ce que tu fais. Vraiment, Greg, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est un homme incroyable, Ibra aussi le connaît. On va parler d'Ibra. Merci pour ce que t'es et merci pour ton investissement. Prends soin de toi et force. Merci. Hey!
Je sais les doutes qu'il a traversé dans cette épreuve. Je sais que, je sais pas si vous l'a dit, mais il a particulièrement eu des vrais problèmes physiques, des blessures et tout. Et il était très stressé à l'idée de faire ce combat, il était très stressé à l'idée de faire cette aventure. Il est allé comme un chef, et franchement, quand je me suis retrouvé en face de Missouri, je me suis dit, putain, il cogne de fou ce bâtard. Donc, un bravo tout particulier à toi, frérot, tu mérites vraiment, je suis très content pour toi, gars. Voilà. Mesdames et messieurs, si vous pouvez tous aller au nouveau flash, ça sera un régal pour justement vivre ça ensemble en communion. Tranquille, 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 de toute façon, c'est le dernier combat. Waouh, attends, c'est fou. J'ai déjà vu, mais c'est toujours aussi impressionnant. Vraiment, mesdames et messieurs, vous êtes incroyables. Je voulais vous remercier tous et toutes individuellement, que vous soyez ici ou que vous soyez dans le chat parmi les 1 million de viewers. C'est vraiment ouf de pouvoir vivre ce genre de choses ensemble et ça donne envie encore d'en faire plus.
Merci les gars, merci les filles, je vous entends déjà faire vos remerciements, vous avez été incroyables aussi là-haut. Est-ce qu'on peut s'applaudir tous ici présents pour ce magnifique spectacle? Baptisé un Peter Falcon. Moi, je suis pas bien entendu. Est-ce que vous voulez un épisode 2?
c'était incroyable. L'ambiance de fou, frère, j'ai jamais vu ça, frère, c'est dingue. À du DTR2 en tout cas. J'irai direct. Ça va être incroyable. J'ai trouvé un BlaBlaCar. Normalement, 2h30, je rentre chez moi. Et voilà. Parti. Bon, bah, je vais vous raconter du coup ce qui s'est passé, les gars. Je suis dans la gare. Bon, moi, je suis pas dans la gare la plus compliquée. Hein. Il y a les panneaux là-bas. Puis il y a les voies juste devant. Ils m'ont accueilli dans l'arrière-salle. Là où je pense que je prends ton petit déjeuner ou des trucs comme ça quoi. J'avais pas mangé depuis midi, j'avais pas bu depuis midi et je pars à 7h12. Dites-vous, je suis même pas fatigué. Je vous jure, je suis même pas fatigué, frère. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 3-4 jours qu'il y a un mec, j'essaye de le lancer et tout machin. Je le relance pour BlaBlaCar, tout ça, il répond jamais. Il m'a pris là vers 19h, je crois, un truc comme ça, 19-20h. Sauf que de la Défense Arena, donc là où j'étais, c'était à 26 km je crois. Et j'avais pas trouvé plus près. Et je me suis dit, frérot, je vais pas payer un taxi pour 26 km, je vais payer 60 balles. J'aurais peut-être dû du coup. Il a pas voulu s'insérer dans Paris parce que vu qu'il y a c'est la réouverture de Notre-Dame, donc dites-vous que j'ai vu le convoi de Donald Trump. Je sais pas si c'est vraiment cool, du coup. Et en gros, j'étais encore à 10 km je crois. En vrai, il serait arrivé là en 30 minutes, hein, au grand maximum. Et il m'a répondu 40 minutes après mon message, parce que du coup, moi, j'avais plus de batterie, j'avais plus rien du tout. Mais vraiment, quand je dis plus rien, j'avais plus rien du tout. J'essayais de demander de la batterie et tout, rien. Il a vu mon message et 40 minutes après, il m'a répondu, il m'a dit « j'arrive pas à trouver ». Alors que je lui ai envoyé la pause GPS, ça veut dire qu'il avait juste à cliquer sur le lien. Ça lui mettait directement la position GPS, quoi. Il m'a dit « je trouve pas ». Et heureusement que je l'ai appelé pour savoir qu'il allait m'abandonner, ce fils de pute. Parce que là, à 2h du mat, j'étais là-bas. À 4h du mat, j'aurais peut-être été encore là-bas. Hein. Je peux allumer 3 secondes mon téléphone. Je retiens le numéro de téléphone. Je le donne à une dame. Elle est super gentille et tout. C'est une gendarme. Super gentille. Elle reste avec moi le plus qu'elle peut. Elle m'a donné de l'argent. Sauf que le problème, c'est que rien n'est ouvert. Donc voilà. Je m'en veux un peu d'avoir pris son argent. Parce qu'en soi, de base, je ne le voulais même pas. Donc, c'est là où, frère, je me suis effondré, frérot. Genre. J'ai réussi à appeler ma mère, parce que ma mère est dormée du coup. J'ai réussi à appeler ma mère. J'ai appelé en même temps un pote. La dame elle m'a dit d'aller jusqu'à la gare Saint-Lazare parce que c'était la plus proche et puis elle était ouverte. Sauf qu'en fait les gares elles sont plus ouvertes toute la nuit. Et juste devant, il y avait du coup le Hilton. Et je suis rentré, j'ai demandé une batterie externe, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas mais que je pouvais rester et que je pouvais charger mon téléphone. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai chargé ma batterie externe, j'ai chargé mon téléphone, j'ai pris un bus, j'ai fraudé, deuxième fois je crois que je fais ça, et je suis arrivé du coup gare Austerlitz, et j'ai mon train à 7h12, voilà. J'ai vu un distributeur automatique, et 3,70€ j'ai eu ça, voilà, donc en vrai c'est pas tellement cher. Hein.